Sensation, les spéciales de l'info. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, édition spéciale Tour de France à l'occasion de la dernière étape qui relie Chatou aux Champs-Élysées. On est avec Alexandra. Alexandra, bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire d'où est-ce que vous venez ici pour voir l'arrivée du Tour de France à Chatou ? Je viens de la Colombie. Qu'est-ce qui vous a fait venir de Colombie jusqu'ici ? Est-ce que c'est les coureurs colombiens ? Oui, bien sûr, mais en fait, j'ai fait des études ici par une année, donc je profite pour venir ici au Tour, au Bois le Tour. Alors, on est à quelques mètres de la ligne de départ qui va être donnée dans quelques instants. Est-ce qu'il y a des coureurs que vous attendez particulièrement ? Est-ce que c'est plus simplement pour l'ambiance que vous êtes là ? Je suis ici partout, et surtout pour les coureurs colombiens, de Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Luis Henao, et Esteban Chavez et des autres. Donc j'ai venu pour les Buarcatus. Alors vous avez sûrement regardé le Tour de France, faites attention aux résultats. Est-ce que vous êtes content des coureurs colombiens cette année ? Bon, c'est très difficile parce qu'ils n'ont pas arrivé au podium, mais je sais qu'ils vont bien jouer et bon, ils ont essayé de faire bien les choses, donc je suis très fière de tous. Très bien, merci beaucoup en tout cas et je vous souhaite une très bonne journée ici sur le Tour de France. On est avec Maxence, salut Maxence. Salut. Alors Maxence est là depuis quelques heures avec sa famille, il a vu la caravane déjà, je vois que tu portes un bob de la caravane. Comment est-ce que c'était la caravane ? Est-ce que cette année, dans le Tour de France, tu as un coureur favori, peut-être un coureur français ? Non, mais j'aime bien quand un peu tous les coureurs français, quand ils s'échappent, et j'aime bien quand ils gagnent. T'en as pensé quoi de ce Tour de France cette année ? Je suppose que tu as regardé pas mal d'étapes ? Oui, j'ai regardé pas mal d'étapes. Il y avait la domination de Pogacar et c'était quand même intéressant de voir la lutte pour la seconde place. Et ici, tu attends de voir quoi ? Tu attends de voir les coureurs ? On est ici juste à côté du podium où les coureurs viennent se présenter juste avant le départ de l'étape. Il y a des coureurs que tu attends de voir, par exemple, je ne sais pas, Mark Cavendish qui est quand même un coureur très connu dans le peloton. Oui, Mark Cavendish et les autres porteurs de maillot, mais aussi Alaphilippe. Alaphilippe, c'est ton coureur favori ? Oui, je l'aime vraiment. Est-ce que, par exemple, toi, tu fais du vélo dans la vie de tous les jours ? Est-ce que les coureurs cyclistes te donnent un exemple, peut-être, pour toi, vouloir faire du vélo ? Peut-être du vélo de route, de la course, je ne sais pas. Pour moi, c'est là où j'habite, parce que en fait, j'habite dans un autre pays. Là-bas, c'est un peu compliqué, mais j'aime bien en Afrique du Sud. Et pour moi, à chaque fois, quand je vois le Tour de France, ça me donne envie de me mettre sur un vélo et d'en faire. Très bien, bah merci beaucoup Maxence et je te souhaite une très bonne après-midi ici sur le Tour de France. Et nous, on se retrouve dans une heure pour cette édition spéciale Tour de France sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation.